prouve qu'elle est en vie. On sait d'où ça vient ? Du Lurzikstan. Là, il pointe vers l'est. Probablement vers Al-Mazra. S'il l'amène là-bas, on pourra pas la sauver. On dirigera le sauvetage. Hors de question, John. Pourquoi pas, général ? C'est un bras de fer, soldat. Il faut résister, pas attaquer. Depuis quand ? Depuis maintenant. On ne peut pas envoyer la cavalerie comme ça. Une telle opération demande de la préparation. Ça demande de la violence et de la rapidité. Ma spécialité, c'est la vie de Kate qui est en jeu, bon sang. Je comprends que vous soyez contrarié, capitaine. C'est arrivé pendant votre mission et c'est difficile à accepter. Donc on va l'abandonner, c'est ça ? Je dis simplement que je ne peux pas vous aider. Mais je ne vous arrêterai pas. Donnez-moi 12 heures pour la ramener. Ne mourrez pas en essayant, John. C'est pas ce que voudrait Laswell, et moi non plus. Je pensais que Kate était votre amie. On ne pense pas aux amis en temps de guerre, seulement aux ennemis. Bonne chance. On va attaquer Alcatala de front et sur leur territoire. Je parie qu'ils seront des centaines à protéger Laswell. Il nous faut une armée. Peut nous en trouver une. Reçu, je les vois. Rendez-vous au point de ralliement et attendez qu'on arrive. À vos ordres. Capitaine, ici Farah. C'est l'heure. Reçu. Atterrissage dans une minute. Bien sûr. Faisons le ménage et récupérons Laswell. Hé, Kayami ! Ah ! Merci d'être là ! On a un ennemi en commun ! Et un ami qui a besoin d'aide. Prête ? Affirmatif ! Allez, on y va ! À toutes les unités ! On se met en mouvement ! On décolle. On est en position. Recevez. Affirmatif. Oui. 5 sur 5. À toutes les unités. Le convoi d'Alcatala vient de passer. On est juste derrière. Compris. Nick, utilise le ravin pour te mettre à couvert. Si on veut sauver la Swell, on n'a pas le droit à l'erreur. Merci. Elle est dans quel véhicule ? Alcatala la transporte dans le SUV noir, en tête du convoi. D'abord, on neutralise les véhicules qui l'escortent. Ensuite, on sécurise la Swell avant qu'Alcatala atteigne la frontière. Regardez où vous tirez. Il y a des civils sur la route. Capitaine, on est à portée. À toutes les unités, peu la volonté. Soldats, allez-y. Ils savent qu'on est là maintenant. Capitaine. Les frères, attaquez le prochain véhicule.
Lâchez. Bordel de merde! Mais quelle est ta situation? Capitaine, Gaz est tombé! Quoi? Le sergent, on l'a perdu! Je suis pas mort, Nick, je suis suspendu à une putain de corde! Oh merde! Remonte! Remonte! Camion vert. Ce sont les soldats de Pharah. Reçu, je le vois. Merde. Les hommes de Pharah ont été touchés. On est prêts pour ce temps. Concentre-toi sur l'ennemi et rattrape la devant toi. Attention aux civils, ce sont nos alliés. Soit. Une mitrailleuse devant toi. Je suis le convoi au nord. Bien reçu. Ne les perdez pas de vue, on arrive. Gaz, Nick, mes éclaireurs me signalent un barrage ennemi un peu plus loin. Affirmatif, je le vois. Tu vas probablement devoir foncer dans le tas. Fonce, usa le plus possible. Choc et froid. Pas aujourd'hui. Nick, je suis passé. Bien reçu, sergent.
problème plus loin. C'est quoi ce bordel? Alcatala déploie des mines sur la route. Ce sont des civils, Nick. Alcatala brûlera pour ça. Je fournirai les allumettes. Les mines, attention, sergent! Voilà, il n'y aura plus de mine. Quelle est la situation? Attention, ne tirez pas, sergent. Je suis dans le camion derrière vous, je vais bientôt vous dépasser. On vient de passer le barrage. Gaz! Capitaine! Alcatala fait venir des renforts. Vous allez avoir besoin de plus de puissance de feu. Montez! Content de voir que vous allez bien. Prenez le lance-grenade. Sergent, le lance-grenade est pour vous. Prenez-le! Du beau matos, capitaine. Quelle est la situation? On se rapproche de la Zwell, alors ils changent de stratégie. Comment ça? Jusque-là, c'est nous qui les pourchassions. Maintenant, c'est à leur tour. Qu'ils essaient, capitaine. On saura les recevoir. Attention derrière! C'est Farah! On est tous là! Finissons-en! Capitaine! Alcatala revient vers nous. Ils vont essayer de nous encercler. Pas si on peut les en empêcher! Et voilà, Farah! Attention! Gaz, attaquez-les au lanceur! Compris! Je m'en occupe! Enlevez! Capitaine, le convoi vit sur la gauche. Ne ferme pas les yeux. Attention, derrière. Neutralisez-les. Ah, t'éloigne pas. On est avec vous. Y a plus personne derrière. Nick, t'as un visuel sur le véhicule de la Zwell? Affirmatif, capitaine. Mais toute une colonne d'ennemis vous sépare. C'est pas ça qui nous arrêtera. Ne la perds pas de vue, Nick. Terminé. La Zwell sera gardée par les meilleurs soldats d'Alcatala. On s'en approche. Il faut qu'on se disperse. Gaz, sécurisez un véhicule. On va les attaquer de tous les côtés possibles. Prenez un nouveau véhicule, Gaz, on va se séparer. Oh.
À toutes les unités, Alcatala déploie des drones explosifs. Bien reçu, Nick. Qui a donné des drones explosifs à Alcatala? Le Major Assad, attention, soldats! Il y a des bombes dans les airs! Il y en a un! Tu les vois, droit devant! Vous dépêchez de les neutraliser, sinon on est mort! J'ai eu le pilote du drone! De famille. Comment manquer ça? Para. Bien exécuté, Laswell. Et vous? Vous tous? On est à Almazra. Faut se mettre en lieu sûr, et vite! Bien d'accord. On repasse la frontière. Je prends la tête, suivez-moi! Merci, Farah. Je vous devais bien ça. Non, c'était plutôt l'inverse. On est quitte, alors. Que la chance nous sourie à tous. À bientôt, capitaine. En selle, soldat, on s'en va. Kate, je suis désolé, je pouvais pas... John, sérieux. Non, c'est ma faute, j'aurais jamais dû les laisser. Arrêtez ça, je vais bien. Ok. C'est pas le plus important. Les missiles n'étaient pas en Espagne, seulement les systèmes de guidage. Les systèmes de guidage?
Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Les Russes. Ils sont où maintenant? Sur les missiles. Et mis à part Hassan, il n'y a qu'une seule personne qui sait où les trouver. La Casa de Sinombre? Non. Los lugartenientes. Un lieutenant du cartel. Órale, güey. ¿Estás aprendiendo? D'après mes sources, tous les VIP de la Salma seront là ce soir. Certains ont été invités, d'autres sont... Conviés de force? Ouais. On y parle de quoi? De nous. La Salma se brûle, et ils veulent savoir qui a allumé la mèche. El Sinombre sera là, non? C'est pas sûr, mais c'est notre meilleure chance. Alors saisissons-la. J'ai suffisamment d'hommes pour renverser tout le pays. Je vous prierai de vous abstenir. Ce que je veux dire, c'est qu'une maison ne nous posera pas de problème. Il nous faut El Sinombre vivant. Alors... faut qu'on le rencontre. Comment? On va leur donner ce qu'ils veulent, des informations. Ils veulent savoir qui est là, on va leur dire. En personne? Tout à fait. L'un de nous devra entrer, trouver le boss et le capturer. Je vais le faire. Si tu entres, il te tue, hermano. Ouais, bah je prends le risque. On est venu pour arrêter un missile, alors c'est ce qu'on va faire. Je donnerai des infos contre un rendez-vous avec Sinombre. S'il est là, on le chope. Bah dis donc, tienes huevos, cabron. Mais si t'arrives à t'infiltrer, il te faut un guide. Je viens avec toi. Je vous couvrirai de loin. Il nous faudrait des shadows en hélico. Bien reçu. Ils vous demanderont des preuves. Montrez-leur ça. Appelez-moi si besoin. Allez, on s'équipe et on fait ça bien. Shadow en vol stationnaire. Bien reçu. Je suis en place. J'ai de la place pour me poser sur le toit. Ok. Je vois deux gardes armés devant la porte. Alejandro, comment ça se présente? Baquero à l'intérieur. Putain, comment vous avez fait ça? Avec violence. J'ai saupon visuel. C'est l'heure de vérité. Est-ce qu'il le voit? Maintenant, oui. Il l'amène dedans. Il a du courage, ceci. J'espère que ça ira. Hermano. Alejandro? Comment t'as... Pas le temps pour les explications. Écoute-moi attentivement. Dis la vérité. Donne-leur tout ce qu'ils veulent savoir, sinon ils te tueront. Tu veux que je leur dise tout? Oui, tout. Les forces spéciales mexicaines, les soldats SMP américains, la Shadow Company, Philip Graves. Toute la vérité. Même ton nom? C'est bien lui? Oui, chef. Il a un nom, le Mohawk? On m'appelle Soap. Soap, c'est quoi ce nom à la con? Suis-moi. Je veux voir El Sinombre. Il veut voir le boss. Si t'es en vie, c'est parce que tu détiens peut-être des informations. Et elles ont intérêt à être bonnes, gringo. Ou sinon, je te ferai bouffer ta putain de crête, ok? Dégage de mon ascenseur, bordel. Ici, c'est chez moi. Avance. Tu ne verras le boss que quand je l'aurai décidé. Tu ne parles que lorsqu'on t'interroge. Et plus important encore... tu dis la putain de vérité. Parce que si tu mens, je te donnerai à bouffer au chien. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, putain? Ça fait des jours que je dors pas. Le boss a dit pas de drogue. Diego, j'essaie juste de maintenir éveillé, c'est tout. Respecte les putains d'ordre! La douleur te maintiendra éveillé. Allez, remets-toi au boulot. La Salma, c'est en guerre. Tu veux gagner? Alors obéis. C'est comme ça que l'organisation survit. Et c'est pour ça que le boss est là ce soir. El Sinombre est ici?
Non. Mais la sicaria personnelle du Cid Nombre, oui. Valeria, en voilà un autre. Un gringo. Assieds-toi. Avant, je te... ¿Y este quién es? Su nombre es Jabón. Él nos buscó. ¿Jabón? No mames. ¿Y lo trajiste para acá? Así nomás. Dice que tiene información. ¡Pendejo de mierda! ¡No tenemos ni puta idea de quién es este güey! ¡Ya nos vio la cara! Valeria, necesitamos servicios de inteligencia. Él puede ayudarnos. Pues más te vale que nos dé algo, porque si no... Luego de que mate a este vato, el que va a esa silla eres tú. ¡Niños! C'est très simple. Je pose des questions, vous répondez honnêtement. Ne vous avisez pas de me mentir. Jusqu'à présent, on protégeait un ami dans les montagnes. Mais quelqu'un nous a attaqué. Qui? Todo un caos, non vi. Répète pour que le blanc comprenne. Je crois que c'était le cartel rival. À ton tour, Blanquito. Qui nous a attaqué? C'était pas le cartel. C'était les forces spéciales mexicaines. On a retrouvé les corps. Fuerzas especiales. Mais comment un étranger peut savoir que c'était les forces spéciales mexicaines et pas toi? Peut-être qu'il y était. Tu y étais, connard. Peut-être qu'il y était aussi. Des étrangers ont collaboré avec les forces spéciales mexicaines. C'était qui? On les a entendus crier, parfois en anglais. Ils étaient avec les gringos comme lui. Une SMP américaine. Un groupe baptisé la Shadow Company. Los vaqueros están trabajando con los mercenarios, güey. Esas pinches víboras. Vous voyez? J'avais raison. C'était les gringos. Mais t'as des preuves de l'existence de cette Shadow Company? Comment je peux le prouver? Et toi alors? T'as une preuve? Regarde dans ma poche. C'est quoi ça? L'insigne de la Shadow Company. La preuve. Qui dirige la Shadow Company? Je veux un nom. Ghost. Je veux un vrai nom, pas un indicatif. Philip Graves. Philip quoi? Graves. Ça me plaît. Ce type, Graves, qu'est-ce qu'il veut? Il veut les missiles que vous transportez. Comment il est au courant de ça? No puedes confiar en él. No puedes. Te lo digo. Tú no nos has dicho ni verga, idiota. Te pagamos muy bien y este extranjero sabe más que tú. Hora de matar a este culero inútil. Con placer, Valeria. Je vous en prie, je veux pas mourir. Qué bonito. Que viven ahí. Mettons-nous au boulot. Allez, on va là-haut. Allez, güero. Que les choses soient claires, on n'en a pas fini avec toi. El Cid Nombre décidera de ton sort.
Vuelta a trabajar, pinches cabrones. Allons-y. Allez, par ici. Los vaqueros están moviendo muy rápido. Yo voy a estar en el penthouse con el sin nombre. Quand est-ce que je verrai le sin nombre? Valeria doit aller parler avec le boss, là. Tu attendras avec les autres. J'ai comme l'impression qu'El Sin Nombre aura très envie de te parler. Tu vas devoir attendre ici, Soap. Tu vas estar en la ofrenda. Que no me interrumpan. Oui, chef. Órale, me encargo d'él, güey. Le necesitan afuera. Ok. Il faut lui donner un masque et le surveiller. Tu es vivant? Alejandro, je vois que toi aussi. El Sin Nombre est dans la suite. Au dernier étage. Il faut une carte d'accès. Diego en a une. Prends ça. Sympa. Tiens. Pourquoi un masque? Des gens peuvent pas être vus avec le cartel. Radio en marche. Tu me reçois? Ok. T'es prêt? Sortons. Ghost, on y est. Qu'est-ce qu'on a? El Sin Nombre est dans le penthouse, au deuxième étage. L'ascenseur nous y mènera. On a juste besoin de la carte de Diego. Où est Diego? La salle des offrandes, premier étage. Tu vois quelque chose, lieutenant? Si tu trouves un moyen de monter sur le toit, tu pourras accéder au penthouse. Dans tous les cas, faut que je monte. Attention, hermano. Nadie tiene permitido pasar. Si les gardes te trouvent là-haut, dans le garage, ils n'hésiteront pas à t'abattre. Qu'est-ce qu'il y a dans le garage? Aucune idée, mais c'est important pour Diego. Trouve El Sin Nombre et finissons-en. Terminé. J'ai trouvé un couteau. Bien, ça pourrait t'aider à rester discret. Avant d'attaquer, assure-toi d'être dans une zone reculée. C'est le garage, ils doivent surtout pas t'y voir. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Aucune idée. Les systèmes de climatisation devraient t'aider à grimper sur le garage. T'es dans une zone défendue. Les gardes ont ordre de tirer à vue. J'ai trouvé l'armurerie de Diego. J'ai trouvé une arme silencieuse. Bien, tu vas pouvoir tirer sans te faire repérer. J'ai trouvé une arme. Attention, hermano. Le moindre bruit mettra tout ce beau monde sur nos traces. Ok. Pas mal. Sécurité ici. T'es dans une zone défendue, reste sur tes gardes. Je suis en visuel, Johnny. Il y a un treillis dehors qui monte jusqu'au toit. Qu'est-ce qu'on fait de la carte de Diego? C'est toi qui vois.
tire qu'en dernier recours. Mieux vaut éviter que ça parte en fusillade. Sur la salle des offrandes. Reçu. Diego devrait être à l'intérieur. Ouais, il est là-dedans. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font là? On est en train de mener des opérations de grande importance en ce moment. On grandit, on se développe. Contacte tous les chefs de zone. Élève, c'est là que le diable vient te mettre indésirable pendu à tous les ponts de la Salmas. Oui, chef. Décroche, allez. Écoute, j'ai un travail. Viens pour la grappe. Appelle-moi dès que tu peux. Allez aussi. Alejandro. Diego est mort. Tout en force, je te reconnais bien là. J'ai la carte. Bien joué. Dirige-toi vers l'ascenseur ou retrouve-moi au rez-de-chaussée. Quoi qu'il en soit, reste discret. Soap, ils arrivent. Reste pas là. Attention, ils ont trouvé un corps. Attention, quelqu'un le voit. Le coup de feu les a alertés. Ils savent que je suis au premier. Soap, cours vers l'ascenseur. Allez! Tous les invités sont sortis. Si les gardes te trouvent, ils attaqueront. Rendez-vous à l'ascenseur, dépêche-toi! Aquí nada, carnal. Busca en esa dirección. Entendido, hombre. Soup, cours vers l'ascenseur, tout de suite! Rendez-vous à l'ascenseur, dépêche-toi. Appelle l'ascenseur, vite. Soap, appelle l'ascenseur. Appuie sur le bouton. Merde. Appelle l'ascenseur, vite! Responde! Escucho! Appelle l'ascenseur, vite! Voyez-vous ça? Soap, appelle l'ascenseur. Prends ton temps, surtout. Des monstres. Ce soir, on reprend le contrôle. C'est maintenant ou jamais.
Oui. Contrôle de sécurité droit devant. Comment on traverse? Fais-moi confiance. C'est quoi ce bordel? C'est le pedazo de mierda qu'on cherchait. Caméra endoscopique en place. Procède à l'identification d'Elsin Nombre. Mettons enfin un visage sur celui qui n'a pas de nom. La cargaison d'Espagne est arrivée comme prévu. Jefe, debemos movernos. Pendejito de mierda, je travaille là. S'il y a un putain de problème, tu le résous. Je peux vous garantir que mes hommes respecteront cet arrangement et que les paquets debemos seront irnos ahora. Bon voyage. Vámonos. J'y crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? La sicaria que j'ai rencontrée au sous-sol, Valeria. C'est elle, Elsin Nombre. Valeria? T'es sûr, hermano? Oui. Il faut qu'on bouge. Graves, Elsin Nombre se fait passer pour une sicaria. On entre. Vous êtes prêts? Ok. Ghost? Oui. Il nous la faut vivante. Bien. Nous aussi. On y va. Mon pote, tout va bien? Valeria! Je la connais!